Bonjour, c'est une vidéo sur l'archéologie interdite et les civilisations disparues. On sait pas trop pourquoi. Les Mayas ont disparu. On sait pas trop pourquoi. Tiwanaku, là, sur les hauts plateaux des Andes. Ah, il y a de la carte, bon, Sumer. Rien du tout. Bon, il s'est passé quelque chose. En gros, le gros problème. Comment ces civilisations ont disparu? Qu'est-ce qui leur est bien arrivé? Il y a beaucoup d'hypothèses, hein. Ça n'a pas tellement de preuves, hein, de tout ça. Donc, vous voyez un peu autour de quoi ça va tourner. Alors, bien sûr, on peut les classer. Il y a plusieurs sortes de civilisations disparues. Il y a celles que l'on connaît parce qu'elles ont laissé une trace historique. Donc, comme il y a une trace historique, on a des preuves archéologiques. On a même quelquefois une écriture. Comme on a une écriture, on a une histoire, et on peut reconstituer comment vivaient les gens, à quoi ils croyaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment était organisée leur société. Alors quand on parle de l'Égypte pharaonique, forcément n'existe plus aujourd'hui, et bien sûr il y a les inscriptions, les hiéroglyphes partout, on peut reconstituer l'histoire de Ramsès II, de Ramsès III, de X, Néfertiti, tout ce qui s'en suit. Bon, on a les exemples, parce que bon... Les peuples qui ont inventé une écriture ont raconté leur histoire, à leur mode. Attention, Ramsès II est toujours tout vaincu, tout fait, etc. Il n'y a pas d'opposition pour dire non, il n'a pas fait ça du tout. Je ne sais pas, on va le pays, les Romains, on a fait telle chose. En fait, on a beaucoup, beaucoup de documents qui prouvent quelque chose. Hein. Mais attention, on n'a pas forcément pour autant la vérité. Hein. Ah, est-ce que c'est pas... Il y a une entité, oui. Quelqu'un qui n'a pas pu venir, vient quand même. Bon, comment dire... Donc, c'est pas parce qu'on a une histoire qu'elle est forcément vraie. Hein, parce que le pouvoir qui fait écrire, par ses scribes, etc., son histoire, en Inde, on dit, vous trouvez ça, c'est dans tel manuscrit. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'il faut... Alors, bien sûr, on recoupe. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit, le peuple d'à côté qui avait commerce avec tel peuple, telle population, qu'est-ce qu'il y a dans les mythologies? Voilà, archéologie interdite, civilisation disparue, un petit avant-goût. Big up les frères, je referai une vidéo dans très peu de temps, mais c'est très intéressant.